Donc, c'est Pacific Sands sur la place. Alors, j'explique. Donc là, j'ai la Bible dans mes mains. Donc, la Sainte Écriture, traduction du Monde Nouveau, que j'ai dû au fait que je sois témoin de Jéhovah. Alors, j'explique là, dans cette vidéo, comment j'ai fait mon expérience de prière de cristal qui fait que je suis tombé amoureux de Jéhovah. Alors, j'ai pris la Bible, donc Marc chapitre 12, le verset, voilà, le verset 29 à 31. Donc, en haut de la page 1259, c'est marqué les deux plus grands commandements. Les deux grands commandements. Donc, j'ai lu. Alors, je commence au verset 28. Or, l'un des scribes qui s'était avancé et les avait entendus discuter, sachant qu'il leur avait répondu de belle façon, lui demanda: quel commandement est le premier de tous? Donc Jésus a répondu: le premier, c'est: entends, ô Israël, Jéhovah, notre Dieu, notre seul Jéhovah, et tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Le deuxième, qui est celui-ci: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Alors personnellement, je me suis arrêté sur le verset 30. Et tu dois aimer ton Jéhovah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute sa pensée, et de toute sa force. Donc je réfléchissais régulièrement ce verset. Je n'ai pas compris pourquoi ça. On disait de toute ta force quand j'ai expérimenté ma prière de cristal. Je me suis arrêté sur toute ta force, c'est-à-dire que c'est pas juste. Mais donc, si on a 100% de force, ce n'est pas 10% de force qu'il faut aimer Jéhovah, mais à 100%. Donc, à 100% signifie toute son énergie. Et c'est après ça que j'ai fait ma prière de cristal, donc une prière fervente, qui fait que j'ai utilisé toutes mes forces, comme le disait le verset de la Bible, pour prier Jéhovah. Et en priant Jéhovah de toutes mes forces, eh bien, je suis tombé amoureux. Voilà. Et maintenant, eh ben, pour moi, Jéhovah, c'est comme si c'était ma femme, donc c'est un amour érotique. Donc après la prière de cristal, eh ben, il y a une transformation dans mon corps qui fait que j'ai envie de caresser Jéhovah, j'ai envie d'embrasser Jéhovah, j'ai envie de faire l'amour à Jéhovah. Ce n'est plus mon père créateur, mais c'est ma femme, tout simplement parce que j'ai un amour érotique pour Jéhovah. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'était un Pacific Sense qui expliquait la prière de cristal basée à partir de l'expérience de la Bible. Bye.